Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, petit test pour une vidéo embarquée en gros avec la face commentaire en audio. On essaye ça, voir ce que ça rend. Puis voilà. Je vous souhaite sur ce une bonne vidéo. Et puis on se dit à très bientôt. Voilà, ça chauffe tranquillement. On va sortir de cette campagne. Ça chauffe tranquillement. Ça fait énormément de bruit. Hein. Voilà, tranquille, on est là pour vrai. On va aller se promener par là. Bon, je vais pas terminer la face réglage, ça on verra quand je vais recevoir mes gicleurs. Mais on n'est pas trop mal niveau réglage. J'espère que le son donnera bien dans la vidéo, que je me fasse pas chier à faire un tournage de 10 minutes, un quart d'heure pour de la merde. Voilà. BRK, ça a beaucoup de couple. Hein. Bon, champignon de 13, ça mouline, donc je pense passer en 14 pour du hold day. Mais franchement, c'est pas trop mal niveau niveau conduite et tout. Ça arrache, on va dire. Je laisse chauffer un peu. Tranquille, on est là. Que du sale m'amène. Ah, ça tombe sec ici. C'est bon ça pour faire des gros virages. Je sais pas du tout où ça mène cette route. Je suis perdu, que du sale m'amène. J'espère juste qu'il n'y aura pas des schmitts au bout. Pas trop que j'aille voir parce que ça boit aussi cette moto. On va aller voir où est-ce que ça mène. Ça mène sur la grande route. Ouais, ok. Ouais, ça mène nulle part quoi. C'est une réserve de chasse. Ah, du coup, on va pas aller par là. Bon, c'est très très coupleux, hein. Ça manque de réglage, ça je vois, l'embrayage qui bug un peu. Il est trop tendu. Il me semblait qu'il y avait un chemin par là. Un embrayage trop tendu, mais bon, après c'est question de réglage encore. Ah, par là c'est des chemins, ça me fait chier, mais j'ai pas trop le choix. Comme ça on pourra rattraper de la belle route après. Voilà donc bah les gars, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo. Après je parlerai mieux, c'est juste que là je fais un test parce que j'ai pas envie de parler pour rien. Oh là 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 là, c'est une motocross qu'il faut pour venir ici. Alors je connais
connais absolument pas où est-ce que ça mène. Je suis perdu dans les champs. Ce genre de douceur m'amène. Regardez cette belle vue devant vous. On dirait bien le kangourou des Schmitt par là-bas. Ce genre de fumée m'amène. On va y aller tranquille parce que c'est pas vous qui nettoyez la moto à la fin. C'est Bibi. Je sais absolument pas où on est. Ah oui, pour préciser, pour ceux qui me disent tu sais pas faire de wheeling ou quoi que ce soit, c'est... ou alors machin, je sais pas quoi. Toujours à préciser que j'ai toujours pas de frein arrière. Donc je lève pas trop haut non plus pour pas me retourner. On va avoir de la route là, je crois que je commence à reconnaître. Alors du coup on a quoi là? Un chemin à gauche, une route à droite. Mais je sais absolument pas où ça va. On va aller à droite hein. Hop là. Je sais absolument pas où ça va, j'ai failli me tuer parce que je connais pas. C'est un peu de la merde la route. Ce genre de situation m'amène quand tu as peur de te tuer en fait. Parce que c'était pas prévu qu'il n'y avait pas de panneau ou il y avait un truc prévu pour dire que ça tourne quoi. Faut un peu de bordel dans le bourg. Oiseaux chantent, c'est beau, c'est la campagne, j'ai juste à me tuer il y a 2 minutes. Ah ça y est, je reconnais la route. Oh là là là, mais c'est un terrain de cross ça. Le BRK chauffe, ça se sent. Hein. Wow, wow, wow. Ça chauffe entre les cuisses. Ce genre de route de campagne m'amène qui te déstresse, mais bon, ça me fait chier parce que la DRD est pas réglée. Du coup, je peux pas trop taper dedans. Mais on fait avec. Voilà les gars, petite vidéo juste pour vous montrer un petit tour de DRD puis pour le test de la GoPro aussi. Sinon rien de plus hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu malgré qu'elle était très courte.
Et puis, si ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. Sur ce, ciao les gars.